je me sens bien, je rentrais, les supporters ils chantent mon nom et je pense que c'est un plaisir pour moi. Mendes being helped off the field on the far side. Cette lésion représente quasiment 20 à 30% des blessures chez les footballeurs. C'est la blessure la plus caractéristique, on va dire, du joueur de football professionnel. Bon, je vous propose, David, avant que les joueurs sortent, déjà qu'on fasse un petit point médical. Il est tombé et donc on rappelle déjà qu'on a une énorme pensée pour Nuno Mendes qui se fait opérer aujourd'hui. Of course, we have to spare a thought for Nuno Mendes going for that operation on his right hamstring today. Quand le chirurgien il m'a dit 4 mois, j'étais un peu triste, mais c'est la vie. C'est toujours une décision où on expose un petit peu le cas clinique au joueur, on lui expose les risques de rester comme ça. Et donc, en l'occurrence là, de ne pas pouvoir utiliser sa vitesse maximale antérieure, c'est-à-dire que sur des lésions de ce type-là, vous pouvez arriver à continuer à courir à 25 km/h. Mais ce joueur-là, en l'occurrence, il court à 35. Oui, c'était bien passé, l'opération, le chirurgien l'a dit que c'était top, l'opération. Pas beaucoup de douleur, j'ai pas senti après l'opération, j'ai ressenti rien parce que j'ai fait tout ce qu'ils m'ont dit pour faire. Et c'était bien passé, et on est là. Nuno, bon courage, on est de tout cœur avec toi. Soigne-toi bien et on attend ton retour. Bon courage Nuno, pense fort à toi. Soigne-toi bien et reviens le plus vite possible. On t'aime et bon rétablissement. Bah, on lui souhaite vraiment un bon courage et on attend vraiment qu'il revienne bientôt, on a besoin de lui et t'es super, on compte sur toi. Nuno, tu nous manques, mais on t'attend et tu vas nous faire gagner en fin de saison et ça c'est top. Il avait déjà été pendant une longue période absent des terrains pour un traitement conservateur. Et là, à nouveau, on lui remettait une période éloignée du reste du groupe des joueurs. Et pour qu'il le vive mieux, on a préféré le mettre un petit peu à l'extérieur du club, dans la première partie, en tout cas, de sa rééducation. Oui, très important, parce qu'il y avait ma famille là-bas. C'est plus facile pour moi de faire les choses que venir ici toujours. Mais ici aussi, on a toutes les conditions, mais je suis parti là-bas parce que la tête, ça fait du bien à nous d'être avec la famille. La famille nous soutient toujours. C'est important pour nous. Moussamio, petit à petit, c'est un travail de force musculaire. Global pour le muscle, c'est important cette étape parce que maintenant je ne sens pas du tout force et il faut qu'on travaille ça pour après je peux courir tranquille et commencer à faire d'autres choses. Il y a d'abord une phase de cicatrisation pendant laquelle on n'a absolument pas le droit de toucher à la zone lésionnelle, c'est-à-dire qu'on fait travailler le joueur, bien entendu, le reste du corps, on le maintient de façon à ce qu'il ne perde pas trop sur le plan cardiaque, etc., et sur le plan du gainage, enfin, il y a tout un tas de secteurs dans lesquels il ne faut absolument pas qu'il perde, mais pendant cette période-là, on ne touche absolument pas à la zone lésionnelle, on laisse cicatriser. Alors, on va faire un
Je suis avec ma famille ici, ma mère, mes frères, et toute ma famille, ils sont là, ça fait du bien, ça me donne la motivation aussi, c'est ça. Et je suis bien ici, à Paris aussi je suis bien parce que ma famille va toujours avec moi, mais ici je suis dans la maison, c'est ça. Nous avons un groupe de WhatsApp avec les médecins et les kinés de PSG pour parler normalement et de forme périodique sur le travail qu'on fait et sur quelque chose que c'est très important d'accompagner. Dá uma voltinha ali, vai e vem, depois vem para a zona rápida, vê lá se a resistência está bem assim. É? Acima e levantar um pouquinho os pés no chão. Assim, isso. Je ne peux rien faire pour être là et c'est compliqué, mais ça fait le plaisir aussi de voir mes coéquipiers jouer, gagner des matchs, faire des buts. Je suis content aussi pour eux et j'espère que je vais revenir pour faire part de cette magnifique moment. Bon, vamos ver o jogo. PSG et Milan, partiu. Oui, c'est difficile. C'est compliqué. 4 mois, tu t'entraînes tout seul, tu fais beaucoup de choses dans le gym. Mais je pense que le club il a fait le mieux pour moi. Le moment que j'ai laissé la béquille, et j'étais trop content, mais il faut continuer. Et je suis resté 3 mois après la béquille dans le gym, fais mon travail. Toujours la même chose, c'est compliqué, ça fatigue un peu la tête. Mais c'est la vie, il faut continuer, faut faire ce que je veux faire. Ça va dépendre un peu du feeling. Ensuite, on aide la cicatrisation. C'est-à-dire la deuxième étape, c'est de faire du travail, ce qu'on appelle du travail excentrique, de faire un petit peu plus d'étirements, de commencer à solliciter un petit peu la zone cicatricielle pour la guider, pour guider la cicatrice. Ici et là, tu ramènes 3, sans appui. Cherchez l'amplitude. 4, super, sans tourner le bassin, c'est bien. Très bien, bien sentir la contraction ici, ok ? Ramène bien. Fréquence, yes. Vers l'avant, tac, 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 encore, yes.
fait, mais compliqué parce que ça fait après 2 mois, je pense, 1 mois et demi. Après, c'est compliqué de retourner. La sensation, je ne sais pas qu'est-ce que je vais sentir, mais je pense qu'il était bien passé. Et tranquille, on a fait beaucoup de semaines tranquille dans le terrain. Et maintenant, je suis bien. Puis la troisième phase, c'est qu'une fois qu'on a obtenu un petit peu un pourcentage de cicatrisation suffisant, à partir de là, on commence à ressolliciter le joueur sur le terrain jusqu'à ce qu'on établisse un bilan de cicatrisation qui va être fait la semaine prochaine chez le chirurgien, où là, ça lui permettra de juger s'il est apte à reprendre une partie de l'entraînement, voire ensuite l'entraînement complet. Nuno, le retour approche là. Oui, bientôt. On est là. On travaille tout ça. Ça fait du bien. Ils sont tous, moi je suis content de revenir. Le coéquipier aussi, je pense qu'ils sont contents de me voir. Et c'est ça, c'est l'important pour l'équipe au stade d'esprit. Qui est revenu là dans le groupe, qui s'entraîne avec vous, qui a repris l'entraînement collectif, c'est Nuno Mendes. Est-ce qu'il est apte pour le match de demain, et surtout qu'est-ce qu'il peut apporter, en quoi il peut être précieux pour vous? Et bueno, es una grandísima noticia que Nuno ya no está en el alta médical, pero todavía es evidente que necesita entrar con el equipo y sobre todo en espacios grandes para coger el ritmo. Ya está recuperado, diría al 100%. Pero con la circunstancia de que necesita todavía algo de trabajo físico. Pero es una gran noticia. Es un jugador, para mí, de altísimo nivel, jugador en su posición top y que deseo y espero que pueda disfrutar después de un periodo muy largo de lesión. Sí, sí. Ça va être un jour especial pour moi. Après 10 mois, ça va être un bon moment. Esa es la noticia más positiva de la noche, independientemente del partido, porque después de muchos meses vuelve al terreno de juego. Se le veía sonriente y muy contento. C'est toujours seul qu'il passe la dificultad y on est tous très heureux del retour de Nuno y on espère qu'il va revenir comme avant. Je suis très content. 10 mois, c'est beaucoup. Je pense après l'opération, c'était bien. C'était bien passé, tranquille. Maintenant, faut jouer, faut faire tout pour gagner tous les matchs. Je me sens bien, je rentrais, les supporters chantent mon nom et je pense que c'est un plaisir pour moi. Subscribe to our YouTube channel.